RDC est une et indivisible. Et la population répondant, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, merci de suivre MKBES officiel. To ye mokolo ya lelo ko beta le solo ya Congo nabino. Merci na bandeko nyonso ba pesa ka biso makasi surtout ba ye bazali ko accompagner biso na manso to zali ko sala. Oui, effectivement na zomona ke bo zali ko pesa biso makasi. Quand je vois le nombre d'abonnés ndenge na ye awa et quand je regarde na monique vitesse ezali makasi na pesa bino merci boye bisa bandeko oyo keto zongeli les émissions en attendant programmation ya to publication ou ya ba résultat boye bi très bien que la cour constitutionnelle banda lobby ba kateli kambo ba tie na mukuse sans débat Félix Tshisekedi confirmé président de la République démocratique du Congo na moneko Didi Martin ba katie so point mususu azala so ki na ba 5 quelque so ki ba 7 ba réduire ngo so na ba 4 virgule ba lobby par rapport ya ndenge ba nilé ba élection na 3 2 circonscriptions ndé celle qui ya Didi Martin pays kiti. Alors, on attend pour te dire vraiment les Kambongo et Zalina niveau Nini. Mais l'actualité est allée dominer na Owana. Yami Balé, Tokobeta, Nabino di Solo. Je veux que Balak Sabino en illustration, ce que vous allez voir là, Ezalina Kachobwe, na Kachobwe, Wapi. Moïse Katumbi, Tomoni, voilà, Ezali pa Katumbi, Kachobwe, Batier, policier. Pour Nanin, bon, on a déjà complot Katumbi, on a dit qu'on a moins de Simba. Balande la bateau, comme ça, Bima, bateau balande, Nassima, après Batia Moto Nambok. Alors, comme vous savez, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas laisser. Bato possibilité ya baya kaka boye babanda kosala oyo ndinga mesani ko manipuler bato alors le gouvernement bazu ba mesure oyo kosala keno plan na ye échoué bon mona ke se ki se fa d'abord na dernièrement na mboka oyo azali ezana malemba nkulu to mona ki bato bakufi kashwe bokutu babuki banda ba mususu ko ba panzi yango alors ba ba monique ya un danger qui profile à l'horizon d'où ce qu'il faut faire il faut que nene musika ko arrêter likanisi Katumbi azali na yango alors ba zuba mesure moko ko ba bengi ba mesure préventive mais to moni ba to ba crier comme d'habitude, à qui on soit, maman, moko boye, baye ban cercle, ndako na ye, batonaye, baye nini wo, ndenge zawana, baye, ou batia na rezante surveye, boza wapi, bozolo ba nini, et tout yo ki même, gouverneur, Jacques Kiaboula, démentir à lobby, et zana mouvement mokote, ba pekisi, montoa circulé, librement en République démocratique du Congo. Au bozoyo ka toujours na politique ya victimisation comment yé kaka moto basala kama b yé kaka moto babundi saka donc bakoti kayé azala libre à planifier makambo naye mais gouverner c'est prévoir le gouvernement ne pouvait jamais alors jamais kotika likambo ya bongo eleka alors pour retenir que tokobeta du solo il y a les Kamboa, tout autour, il y a Ndakonaye, mais je vais seulement vous dire que non, les Kamboa, Bazolo Bakene, Batieye, dans la résidence surveillée, Eza Lukuta.
Ce qui est vrai, Katumbi planifie un chaos. Bon, on a qui même temps au moins aussi, bah, Abimia Lobi, bah, Kassayen, bah, Taliban, Bossala Bango Boy. Au moment que le procureur a tikali Kimia, mais nous avons vu quand même Katumbi, qui se croit maintenant un étranger puissant dans Mboka Yabato, qui a dit dans le monde que non, il le soutenait et qu'il devait garder son sang-froid pour y continuer à commettre chaos. Au bien dans le poteau, la politique de la terre brûlée, mbe ye a ye pour ça la Mboka na biso. Mais baye oyo, bazali pe ko accompagner ye, bazwe ba ba conséquence te. C'est ainsi que baye bisi yete, yo ko bimaka te, fanda ne de toutes les façons Mboka na yo te. On a droit à Kotambola partout. Yo Congolais sont en Zambie, en Italie, au Kotambola, en Tambola, à la TVT. Ce qui est vrai, il a bénéficié tout du Congo. Mais à Kokipo, il a été abandonné, au défi à Kabaïmboka. Alors que la volonté exprimée par le peuple est mon ami. Voyez comment il envoie des kamitato et les autres. Regardez comment Kalombo Zalaki n'a plateau à télé 50. Et en voulant lui défendre, ailleurs, on dit que non, Azana Mwana na Zambie, Anna Biloko na Italie, tout ce qu'il gagne na Congo, à Boaka Kango Kuna. Alors, je crois que Azali na résidence surveillée, mais Azali juste ba mesure moko, to ba do ba ba mesure que le gouvernement, et qu'on qui kozoa toujours, pour na kodoka ndenge nini, ba qu'on qui ko batte la, to pe ko sécuriser ba Congolais. Alors, le mébo, quand vous avez besoin de canyon, sur ma zone de Bakolo Bakana Batunaye, ils ont battu acheté. Nassina Tuna Bino Moutouna, Mouto ya série. Oyo Mouto, l'ingimbo, ou la de la Katumbi, ni à part Mbong. N'a part Mbong. Comme il est conscient que les Congolais, pour un Mbong, va être prêt à tout, il en a profité. Mais qui est ce Moutouni, n'a pas de Hollande, vraiment, Tatawana? Na même na bongo même na nene loko ezata. Alors tout ça là est fort vraiment il y a comité capété hein tout mi bois capété pour tout ça n'a pas cité. Moi je pense que n'a pas si na biso mais tout ça peut na dignité à ko préserver ba mensonge ba zo relayer ba zo lo ba keno ba check Katumbi na ezan surveillé eza lukuta Katumbi n'est pas en résidence surveillée. Batu bayaki wana oyo ndenga kabela ka ces pauvres là na bamboka wana soya pensi bango ba batu na yeba ina butu butu ba sensibiliser ba yeba entourer wo tolingi toyeba nini zokomela Moïse boyina boy batu batonda ki wana plein ba mama wana la plupart ba sala carrière mais ya azwaka ba minere akenda kanango so ezongi comme l'ensemble ya ba congolais pour être ba lokalo lenge ya ko Kozobandelo bakazobanga yozobayo hein ba mususu ndenga no baka toujours ala la bango soki ndenge ni biso on le suit de près mais nous disons quand même que un paix et un minimum ya respect oyé na mboka na biso ozamu paya to pesa yo tout vous nous devez du respect ces inconscients ba to bazolanda yo parce que ozana million mais tous les congolais balakisio d'une manière générale que ata ozana ba million mais aux capacités ya kosomba batu nyonso et sociologiquement parlant bon mona kindenge même na élection et bandeko élection elle est qui vous avez dit tout le monde même mindele ba féliciter mais bon mona ki abandiko gange l'église catholique bon église catholique était chole na mbo bon makambo to yokani za bien te ngonga musu boy na boy yino ko ngolo ba muke o boy na boy chole a sele interview le bouzeu ko kité. Si je suis là, communiquer, oh, bah, résultat, wana, il faut aller. Ah, nde pèse esprit na ye. Et bon, mon ami, attendez qu'à mitatu. Bon, attendez qu'à mitatu. Elle a tes chemises. Et puis, tato, parce qu'on a qu'à mitatu, on a eu le sang à l'oubosson. Tato, yo, bimise, yon. Tato, mon ami, tes chemises, oh. Tato, yo. Président, yakala, y'a assemblée nationale. Et ça, même, na statut moko, loi moko, et zali ko batte la bango. Ancien président. Mais il y a combien de gens qui ont mis la tombe sa gauche? Il faut que l'on ait une photo. Il y a un avion. Il y a un sac.
le français Milaï. On nous dit même que même Twitter, il y a quand même un Twitter. Ah, tabatouba. Hein? Bah, lingambong. Moutoumou, kolobata na linga na yebite. Bana ki chassa jobaye. Bana deringue balela. Mais bana deringue balela le kambonine. Hein? Lobake bana Zambie balela, ozo lobate. Bana Italie balela. Kakaba, voilà. Ma donné en azo pesangambo. Bon, comment on Oye azo tinde mikoloy na ba media. Hein? Na ba media azo lo babilobela. Mais qu'on change ni pour courir ces tranchées. Hein? Comment on a cinq la sabina dondi hein. Pesa ta mo koka. Voilà, a pesinga mon tala. Tala na un étranger comme ça moi. Bango bazande ngombo na éviter étranger na mais tala yewa. Ancien président de l'Assemblée nationale. Katumbi a tiré ma boko na poche. Yo me mêlé ba sac. Voilà les intellectuels. Quand nous fumons, quand nous partons, on va changer même la top. Vous voyez, eh ben, t'as là-bas, eh ben. On a pas ça. Ancien président de l'Assemblée nationale. Président à parti politique, ministre à plan, des intellectuels congolais. Abimi, il raconte sa vie. Donc, dès que le Seigneur a l'objet de Zamabe, il faut que y a Katumbi. Katumbi a été surveillé. Est-ce que beaucoup de gens ont été surveillés? Mitukawana, Penza ou Batiwan, Batiwa la Katumbi. Comme il a l'envie, il y a un chamoto na Congo. Atia. Donc gouvernement, wana, et ça va mesurer partout au monde. Comme ça, mon RFI, mon France 24, mon TV 5 Monde. Évitez-nous la distraction, abino wana, bisoto, tozo lande la makambu, très bien. Le Congo, ils ont besoin de kimia, to fanda na kimia, to talandenge nini. Mboka na biso zo kende liboso. Soki bino boza preoccupé na bato. Biso pe tozali preoccupé na Congo. D'ailleurs, elle avait envoyé Olivier Kamita pour contredire les résultats. Bota la tato et Mr. Koch, Makambo Lobaki. On va revenir juste pour continuer avec notre émission. Na MK Base officiel, votre chaîne de vérité. Oyo, biso, toyaka toujours pour na copier sa bino information. Donc dit ensuite Olivier Aurélien juste après. 2024, à la suite de la mission d'observation des élections conduite par la CENCO et le CC, nos deux églises ont signé une déclaration conjointe par leurs présidents respectifs, à savoir Monseigneur Outembi, le président de la CENCO, et le pasteur André Bokundwa, le président de l'ECC. Dans leur déclaration, nos deux églises déplorent les violations de la légalité qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier. Ces violations ont conduit à de très nombreuses irrégularités qui ont été relevées et transmises à la CENI par la mission d'observation des élections. Nos guides spirituels appellent la CENI et son président, Denis Kadima, à faire toute la lumière sur ces élections. Faute de quoi, elles ne seront pas en mesure d'en accepter les résultats à quelque niveau que ce soit. La clarté du message de nos deux églises est absolument sans équivoque. Les résultats du 20 décembre 2023 n'engagent pas les Congolaises et les Congolais qui sont épris de justice et de vérité. Personne. Absolument personne ne pourra jamais revendiquer le moindre début de légitimité sur la base de ces résultats fabriqués sur la fraude et le mensonge. La République démocratique du Congo et le peuple congolais n'ont-ils pas droit à de vraies élections? Voilà, comme cela ne suffisait pas, Bino va tout comprendre à la tête. Mais, attendez qu'à mi-tête,
Ekokite, il a envoyé encore Francis à l'homme à télé 50. Mais il a raconté des choses. Mais quand l'homme vous dit tout. Moi, je suis en Zambie, je suis en Italie. Mais je suis en Congo, je suis en 5 000. Je suis en Mabine. Papa, je suis en Congo, je on a ma combo donc on tire comme à Moïse de deux à travers la frontière du colonial. Il gère une grande société en Zambie. Hein? Donc, on a une société sur Katanga à Tindiga en Zambie pour parler. Ma société à Katanga au Tindiga en Zambie, au Tindiga en Zambie. Au Tindiga en Zambie. Maintenant, j'ai été informé que Moïse Katumbi a la société Mounen en Grèce. A la ferme Mounen en Grèce et ça la huile d'olive au Yoki à bio. Mère huile d'olive, il y a bien en tant que Congolais, toi en tant qu'Italien. Il est Congolais, mais la Grèce, il dit. Je suis sûr que, dans la commande, au Brésil, dans mon Moïse, dans le Brésil, sans compter société dans le Brésil. Dans Washington, à sa voisin à Biden. À sa Nandak, dans Washington, il y a un voisin. Il y a un voisin. Il y a un quartier dans le chic, il y a un clôture. Il y a un voisin qui est en train de se faire un Biden. Eh, pardon, à cette excuse, à quel côté. Donc, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui, tu ne peux pas le limiter, son fils est né, il gère une de grandes sociétés en Zambie, et à la carte à résident, à travers Sakael, Lubumbashi, à Konga et Congo, à Tikala, la députée, il n'a même pas besoin de voilà, ça, la politique à la députée, il est dans les affaires. Comme de deux, à travers sa frontière, du colonial, ça. Il gère une grande société en Zambie. Hein? Donc, baloba, a ma ba société nyo sur Katanga atindika en Zambie pour ba kongole ba kufa. Ba société ya Katanga atindika en Zambie, atindika la oni na Zambie. Atindika la oni. Maintenant, j'ai été informé que Moïse Katumbi a la société munene na Grèce. A la ferme munene na Grèce et salaka huile d'olive oyo ki ya bio. Mère huile d'olive ya bio. En tant que Congolais, toi en tant qu'Italien. Il est Congolais, mais la Grèce je suis sûr que dans la commande au Brésil, dans mon Moïse, dans le Brésil, sans compter société dans le Brésil, dans Washington, à sa voisin à Biden, à sa Nandak, dans Washington, à sa voisin, à sa voisin, à sa quartier, à sa chic, à sa loupango, à clôture. Et donc, ce qui est le banga, et quoi est le loupango à Biden? Eh, pardon, à ses excuses, à Kalokoti. Donc, c'est quelqu'un qui, tu ne peux pas le limiter, son fils est né. Il gère une de grandes sociétés en Zambie et à la carte à résident à travers Sakael, Lubumbashi, à Konga et Congo, à Tikala, à la députée. Il n'a même pas besoin de la, pour ça, la politique à la députée. Il est dans les affaires. Et vous avez vu comment Bango Bazaliko, le mal vérité, Makambazo, me soit allé à mon côté. Mais Bande Konanga, au moment que court et se confirmer Makambo. Tozo yo kapé, nangambo moussous ke débat eza révolu. Mais il y a des gens qui s'attellent à nous diviser. D'ailleurs, le message que vous passez dans les médias Bozo yo Kayango, na ebi sibino de ne pas suivre ces gens. La Cour constitutionnelle a si a tranché. Tozo la maintenant, oyo en publication. Pour les législatives nationales et provinciales, mais pour le présidentiel, Tobo Salayango, Tozeladan, na 5 ans, en 2028. Surtout que Liboso Nabiso, Baye Bazali ko contesté, Baza ba étranger. Toke Bato Sala gêne à Bangote, na Bonde Libino. Restons unis. Message à haine, message à séparation, Bazo Pesa Biso. Yo kaya zana bona na Zambie. Ah, ceux qui l'ont monté et payé à Kokende Kuna. Mais nous avons l'obligation de préserver mon cannabis. Est-ce que vous savez que pour les élections, maintenant quand tu as utilisé ma méthode tout, et singeli mboko et pela moto, pour Bango va se retrouver. Les lots Salomon Kalonda zana boloko bozoye batte pourquoi? Mais est-ce que Bolanda qui Nalandi Justin Bitakwira, nakoyok sebe ne pe mwa mouke. Bolande na bokebi, bo comprendre, complot yamboka na biso eza wapi. Bo mwona plan,
obanguna bazanango biso toza distrait na ba makambo ezanga mutuna makolo mboka bazoluka bazwa biso et ces gens qui nous distraient nous divisent pour des positionnements personnels derrière les étrangers. Justin, reviens juste après. Chez moi aussi, les Babembe sont des pêcheurs, chasseurs. Moi, mon Fuliru, agriculteur, pêcheur. Quand il y avait encore la forêt, on faisait aussi la chasse. Les Tutsis, que vous appelez les Banyamulenge, des éleveurs. Mais ils ont changé de profession depuis 1996. Nous devenons tueurs. Tueurs. Hein? Nous devenons tueurs. Nous allons vous tuer, mais l'Union européenne est là. Et va nous protéger. Elle va sanctionner tous ceux qui s'opposent à nos tueries. C'est ça le métier. C'est ça la profession. Mais parmi eux aussi, il y a ceux qui regrettent. Parce qu'on a vécu avec eux dans bonne ambiance, des amis, des frères. Mais depuis 1996, ils ont opté pour... Ils ruminent, partout où ils vivent, ils ruminent ça. Mais si vous les retrouvez, il y a des chefs coutumiers vers Maïndombe ici, vers Kwamout. Quand ils vont commencer à leur vendre leurs terres, après 10 ans, 20 ans, ils vont les chasser de là. Donc, nous, je ne sais pas, et ça vraiment j'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République, que nous, nous leur avons tout donné, tout. Mais nous ne savions pas qu'un jour, ils pouvaient avoir l'idée qu'ils peuvent nous exterminer et nous chasser de chez nous et commencer à écrire des livres qu'ils sont arrivés avant nous. Ils sont arrivés avant nous. Donc chez nous, nos grands-parents les accueillent. Après, l'histoire change, ils disent non, c'est nous qui sommes venus avant vous. Et c'est comme ça que les Tutsis, à partir du Rwanda, ils ont développé beaucoup de théories. La première théorie, c'est Ubwenge. Ubwenge en Kinyarwanda, ça signifie intelligence. Mais eux, maintenant, l'intelligence, ils ont transformé ça en ruse, mensonge, tromperie. Et ils ont une autre théorie, Ukugwani Lubutaka. Donc, ils doivent avoir la terre à tout prix. Au prix de la vie, nous devons avoir la terre, même si elle n'est pas nôtre. Nous devons avoir la terre. Ukugwani Lubutaka. Ils me suivent, c'est du Kinyarwanda, ça que je parle. Et puis, Kagame a développé deux autres théories. La théorie militaire et la théorie politique. La théorie militaire consiste à avoir autant d'officiers généraux que possible dans l'armée congolaise. Et ils en ont eu. Et sur le plan politique, il doit chercher à manipuler tout Congolais naïf qu'il serve, qu'il lui serve. Parce que lui, il ne doit pas être au devant. Le Tutsi ne doit pas être au devant, il doit être adjoint. Mais quand le partage arrive, c'est là où il te dit, allez, Zoba, Zonga Nassim, Tournangaye Komi. Il s'agit du partage. C'était ça le RCD, non? Il y avait un Katangé à l'arrivée du RCD. Mais quand on est allé à Saint-City, on n'avait pas vu Ruberwa surgir. C'est lui maintenant le vrai patron. Même Kabila, quand il nommait les officiers, tous des adjoints. Mais quand on te fait partir, intérimaire, il y a quelqu'un qui a fait l'intérim à la tête de l'armée au sud de Kivu pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Intérim. Et donc, je crois que je ne suis pas contre les Tutsis. Je ne suis pas contre ceux qui s'appellent abusivement les Banyamulenge, parce que parmi eux aussi, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette théorie de devenir tueur au lieu d'être éleveur. Il y a beaucoup de victimes parmi eux. Mais je leur ai déjà dit, vous êtes en train de tromper le monde, que vous êtes des victimes, alors que vous êtes les vrais bourreaux, tant que vous n'aurez pas demandé pardon en public pour le mal que vous avez commis dans ce pays, même au ciel. Vous prétendez être des pasteurs, même le ciel vous sera fermé. Il faut d'abord qu'il y ait ce que je peux appeler une prise de conscience nationale. C'est pas pour rien que j'ai créé un parti qui s'appelle Alliance pour la République et la Conscience nationale. Moi, j'ai signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Un pacte de sang. Tu touches à la République démocratique du Congo, tu me touches. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale.
faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier, à 11h, tout le monde est en prière. En train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo, la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître. Il va mourir. Sukoyo, Boyoki, conclusion naïe. Les conséquences d'avoir un président étranger. Bitakuira vous dit clairement que yé amoni le lengene ni Kabila a péché et il a permis au Rwanda ya kokotisa ba étranger ba rwandais baton dans l'armée et il a réussi, alors que nous avons un président congolais qui a montré que malgré ba pression na ba attaque ya ba rwandais, il n'a jamais permis dialogue na Kagame. Pourquoi mixer armé? Alors, Katumbi qui n'a jamais condamné Kagamata Mokolo Moko, c'est ce type qui embrouille tout le monde aujourd'hui. Et il est en train de faire ce qu'on appelle guerre civile. Et aussi, Mme Boko Nabisote. Si vous l'avez bien suivi religieusement, je peux vous comprendre, en tout cas, ça ne sert à rien. Toi, il y a une élection. Toi, il y a un défi maintenant, il y a un défi sécuritaire. Comment nous faisons pour la bande qu'on a bu sur Bazali Banda, Bazo la bande qu'on a bango? Comment t'as qu'on t'en garde? Mais comment, mituna nyonsoa ne sengeli ezwa biano? La première émission a été ça qui vient que bande qu'on Bazali qui est invalidé, na seni, Bazali ça qui au babengi conseil d'État. Alors, est-ce que pour Bazo on a pas droit na bango? Pour Bazali en dengeni, en tout cas. TV Zali Radio T, je peux vous laisser suivre Moko ya bandeko yo bazaganda na conseil d'état boka makambu ya lobby. Est-ce que ba zwengisi bango ba ke konuka nini bazala ki 82, mais tous les 82 ba kenda ki te ya un bon nombre ya bato ba kenda ki kuna. Est-ce que mitune za ebele? Non, le bisika na bango te, mais boyoka moko na bango makambo alobi. On revient juste après. Prononcé en disant que c'était prématuré, il fallait que CENI publie d'abord le résultat provisoire pour que eux soient compétents. Et effectivement, cela corrobore avec le communiqué. Prononcé en disant que c'était prématuré, il fallait que CENI publie d'abord le résultat provisoire pour que eux soient compétents. Et effectivement, cela corrobore avec le communiqué que le procureur général de la Cour constitutionnelle avait publié en disant que avant la publication de résultat, la Cour n'est pas compétente de connaître quoi que ce soit à ce qui concerne les litiges liés au résultat. Et ici, nous ne sommes pas venus pour solliciter assez qu'on puisse nous donner nos résultats, si on peut utiliser le terme, mais plutôt pour faire voir au juge de référer que le droit de la défense a été violé, et par rapport à cela, le juge devrait anéantir les effets de la décision de la CENI prise illégalement. Et ce qui est grave, peut-être tout le monde n'a pas l'information, le numéro 54 sur cette décision-là, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. On se demande, ces résultats qu'on a maintenant annulés, c'est quel résultat? Parce que lui, il n'est pas candidat. C'est comme on condamnait quelqu'un qui est mort. Vous comprenez? Une décision entachée de cette irrégularité, et la CENI veut nous l'imposer. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus solliciter le Conseil d'État, afin que nous puissions entrer dans l'ordre. Mais la CENI étant organisatrice, Non. Si on doit avoir ces raisonnements, ça signifie qu'on ne peut jamais défendre ce droit. Quand les droits sont violés et qui sont garantis par la loi, on doit les démontrer.
Et on va vous démontrer même l'urgence. Mon client Gentiline Ngobila, à ces jours, vous connaissez l'histoire. Et il y a la famille de l'un de mes requérants qu'on a empêché de sortir de ce pays. La famille, même pas lui-même. Pourquoi les frontières, la DGM a été saisie? Donc ça signifie que cette hémorragie, le Conseil d'État devrait carrément arrêter pour que le tout revienne à l'ordre, pour que nous puissions aller. Mais le Conseil d'État a-t-il la possibilité d'arrêter une décision prise par le service de migration? Effectivement, c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Vous, le journaliste, vous pouvez vous documenter. Vous savez, à l'époque où il y a eu des problèmes par rapport aux élections à Sankourou, dans le temps, la CENI, le Conseil d'État y a décidé là-dessus. Le Conseil d'État y a décidé. Donc ce sont des jurisprudences que nous avons pu rappeler au Conseil d'État que vous avez le droit et vous pouvez en anéantir les effets de cette question. Voilà. J'espère que Bolandi n'a permettre une boyoka au Bango Bakeko Lokana Conseil d'État, MKB officiel, exclusivité et salive. Moussala na biso. Mais de l'autre côté, nalingi pe boyoka Théodore Azalaki na cour constitutionnelle. Eleka kindenge nin boyoka décision cour constitutionnelle na ba requête nyonso ezalaki. On va revenir. Et publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la cour constitutionnelle. La cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamoulé Tabatimanga Dieudonné, président, Waseda Songo Kornet, Mafungo Kufumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu, Bokona Wimpa Ponjani François, Kadoumé Asengo Tchéus Alphonse, Jalal Luma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Mandia Anja Dieudonné, juge, en présence du procureur général Jean-Paul Moukolo Kopécha, et avec l'assistance constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 81 alinéa 1 et 2 et 93 alinéa 4, vu la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, spécialement en ses articles 73 alinéa 2.1 et 2, 74 et 74 tel, vu le règlement interne provisoire de l'élection présidentielle, après avis du ministère public, dit recevable la requête dans la présente cause, mais la déclare non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la Commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la... Bon. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, 13 058 962 voix, soit
73,47%. 21, Monsieur Fayoul Matidi Martin, 875,336 voix, soit 4,92%. 22, Monsieur Djongo Sharma Franck, 6,780 voix, soit 0,08%. 23, Monsieur Matata Boyomapon, 14,080 voix, 14,180 voix, soit 0,04%. 24, Monsieur Mosito Fumuchi Adolphe, 200,800 voix, soit 1,13%. 25, Madame Bile Batani Joël, 6,911 voix, soit 0,04%. 26, Monsieur Nila Enoch, 5,156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signé. Merci. On est allé degré confirmé qui président de la République, cette ordonnance, moyen de soucis, il y a qu'au débat très athée, tourner page, il y a élection présidentielle, cap vers les élections législatives, nationales et provinciales. Et si Dieu ne revient pas, nous allons revenir pour débattre sur le Congo. Partagez les liens, abonnez-vous massivement. A tout à l'heure, merci. Bye. RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.